Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. Distribution des cartes d'identité biométrique. Le lancement officiel de l'opération a eu lieu ce jeudi à l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP. Nous en parlerons dans ce journal. Les travaux de réhabilitation du tronçon Carrefour-Pota, Carrefour-Aïtchédi créent assez de dommages aux riverains et usagers. Nous en parlerons dans cette édition. La Chine est dans le viseur des États-Unis à l'occasion d'un sommet en Alaska. Les deux pays ont étalé jeudi des désaccords irréconciliables lors du premier face-à-face de l'ère Biden. Voilà pour le sommaire de cette édition. Le développement, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Je l'annonçais en titre, lancement officiel de la distribution des cartes nationales d'identité biométrique. C'était ce jeudi 18 mars à l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP. L'opération permettra de satisfaire des demandes de septembre 2020 à fin janvier 2021. Clémence Tonoukouin et Denis Maroya pour le compte-rendu. Jeudi 18 mars 2021, nous sommes au siège de l'ANIP. À l'entrée de l'agence, 5 stands accueillent les citoyens de cette vague invités à retirer leur carte nationale d'identité biométrique. Avec cette nouvelle carte d'identification des personnes, le Bénin entre dans la modernité. Les dispositions sont en cours pour que dans les jours à venir, les demandes soient satisfaites au fur et à mesure. La carte nationale d'identité biométrique vient révolutionner la gestion des personnes et garantir plus d'efficacité dans l'identification et davantage d'inclusion sociale et de simplification. Plus de 45 000 demandes ont été enregistrées. L'attente a été longue, mais aujourd'hui, le pari est gagné. Nous mettons en distribution les cartes relatives aux demandes de la période de septembre à début janvier 2021. Par ailleurs, le projet de mise en place d'un centre national de personnalisation des titres sécurisés en République du Bénin tire déjà à sa fin. Nous évaluerons dans 15 jours son état de réceptivité, puis les demandes commenceront par être satisfaites dans les mêmes semaines de dépôt des dossiers. La carte nationale d'identité biométrique offre aux populations de nombreux avantages. Entre autres avantages, la facilitation de la délivrance des actes sécurisés tels que le passeport. Autrefois, nous avons tellement de cas de rejet de dossiers du fait que les actes ne sont pas sécurisés, du fait que les actes présentés ne répondent pas aux normes. Mais aujourd'hui, tout cela est relégué au passé. Lorsque vous fournissez vos actes sécurisés, vous donnez la preuve de votre profession. Vous avez votre passeport dans les délais requis. Dans le souci de faciliter la tâche aux populations, dans le processus d'obtention de la carte biométrique, de nouvelles mesures vont être bientôt mises en œuvre. La nouveauté, c'est qu'à partir du 1er avril prochain, toute naissance intervenue sur le territoire national sera systématiquement enregistrée au RAVIP qui nous permet aujourd'hui de goûter aux délices de la carte biométrique. Il n'y aura plus de registre d'état civil dans lequel seront enregistrées des naissances qui plus tard se retrouveront en divagation ou en perte parce qu'on parlera de souches d'actes de naissance non retrouvés. Le gouvernement, en mettant fin à cette tracasserie qui fatiguait nos compatriotes, conduit assurément le Bénin vers l'Eldorado où, dans la sous-région, l'identité du Béninois sera respectée. À la fin de la cérémonie de lancement de l'opération, les premières cartes ont été remises par les autorités. Dans l'arrondissement central d'Abomey-Calavi, plus précisément sur le tronçon Carrefour-Pota-Carrefour-Aïtchédi, il est difficile de circuler. Les travaux de réhabilitation de cette voie créent assez de dommages aux riverains et usagers. Suivez le constat fait par Clémence Tonoukou et Fia Crevoy-Étang. Des caniveaux à ciel ouvert, des barres de fer et des mottes de terre un peu partout,
C'est le visage que présente le tronçon Carrefour-Kota-Carrefour-Aïtchédji en réfection. Une situation qui rend la circulation pénible. Non, c'est pas facile de circuler. Circuler là, c'est pas facile de circuler. Des fois même pour rentrer même dans la maison, ça sera difficile. Et si vous avez un jet ou bien le vécu, tu vois, donc il n'y a pas d'espace, il n'y a pas la voie à passer. Pour le moment, c'est pas facile de circuler ici. Hein. Surtout avec depuis le carrefour Aïtchédji où tout est bloqué, il faut chercher la déviation avant de se retrouver. Et puis voilà, quoi, tout est ouvert. Je me demande, hein, dès que la pluie va s'annoncer encore plus, comment on pourra faire. Les enfants ont des difficultés à passer sur le tronçon. Ça ne va pas. Surtout cette semaine-ci, on n'a pas constaté l'évolution des travaux. Donc vraiment, vraiment, ce n'est pas la joie. Pas de déviation, donc personne ne passe ici. Au niveau des émeutes, personne ne passe ici. Donc vraiment, la circulation ne passe pas. De Kota à Aïtchédji, maintenant, on est obligé de contourner. Zemtié à 150, maintenant, on peut dire 300 et 350 d'ici à Aïtchédji, donc ça ne va pas du tout. Le passage à nos divers lieux de travail et autres, c'est vraiment difficile. Moi, sincèrement, j'ai dû garer de l'autre côté et j'ai essayé de traverser péniblement les caniveaux et venir à ce côté pour pouvoir aller là où je vais. Les commerces installés le long de cette voie ne sont pas épargnés. Les commerçants ont vu leur chiffre d'affaires chuter et les moins endurants ont dû fermer simplement. Tout est fermé, vous aurez dû remarquer, la boutique est fermée. Surtout les aliments là, tout est fermé en fait. La poissonnerie, les boutiques de portables et autres, tout le monde est fermé. D'abord par rapport à la poussière et la voie aussi qui n'est pas quand même praticable. Donc on ne peut rien. Et tout est au ralentissement, les activités ça traîne, l'argent ça ne range pas, et puis tout le monde chauffe là. Au niveau des boutiques, ceux qui ont loué des boutiques, ils n'ont pas pu trouver la majeure partie de leur gain. Les vendeurs au bord de la voie, vraiment ça ne passe pas. Si la voie là, si ça passe là, nous on vend. Quand ils ont bloqué partout, cassé les choses en désordre comme ça là, on ne vend pas maintenant. À cause de la voie, mon patron a dit qu'il va diminuer mon argent un peu, que parce qu'il n'y a pas le marché. Les usagers estiment que la réfection de cette voie évolue à un rythme très lent. Tous plaident pour une accélération des travaux. Si les travaux peuvent s'accélérer et qu'on puisse nous libérer la voie, ça pourra vraiment nous aider. Il faut qu'on pense à la population qui habite ici, c'est pas ça. Le dimanche passé, ils étaient sur le terrain et je les ai vus en train de travailler. Mais franchement, ça va à un petit pas, quoi. Je ne sais même pas comment qualifier ça. Ce n'est pas encore ça. Ceux qui sont le travail, de continuer les travaux et de mettre le courage aussi. Ce que moi, je veux simplement là, de venir faire la route. Là, ça serait bon pour nous. Les travaux, une fois à terme, permettront d'avoir une voie plus large pour faciliter la mobilité des populations. Toujours dans la commune d'Abomey-Calavi, les populations de Gbetagbo et environ dans l'arrondissement d'Akasato souffrent également. Elles sont confrontées au problème de chute de tension électrique, communément appelée baisse de tension. Une équipe de Eden TV a effectué une descente dans certains quartiers d'arrondissement. Suivez ici le reportage. Le problème de chute de tension électrique, communément appelée baisse de tension, se pose avec acuité dans la commune d'Abomey-Calavi. Certains citoyens parlent de la situation à Gbetagbo dans l'arrondissement d'Akasato. À partir de 19h, nous n'avons plus l'énergie en bonne qualité. Et chaque fois que nous allons nous plaindre au niveau de l'agence SBE de Calavi, eux autres nous disent qu'ils sont conscients de la situation, que nous vivons la sous-tension. Pourquoi? Parce que quoi ils disent? Que la population de Gbetagbo de Domezekamin a augmenté et le nombre d'abonnés a augmenté. Et les transformateurs qui sont déposés depuis des temps donnés, ces transformateurs n'ont plus la capacité nécessaire de supporter le nombre d'abonnés. Ce qui fait qu'à partir de 19h, nous n'avons pas le jus dans nos maisons respectives. Il y a assez de baisse de tension et tous les trucs, les appareils des gens sont en train de griller, mais on ne sait pas comment se faire. Depuis quand ils ont fait l'installation dans ce quartier, je vois qu'il y a trop de baisse et tout le monde disait que c'est la retention qui est un peu plus petite. Bon, on est en train de débrouiller avec ça, vraiment. Par rapport à moi-même, j'ai beaucoup de trucs qui étaient gâtés pour moi-même.
je ne peux pas, on n'a pas de choix. Spécialement dans la nuit, la coupure vraiment nous dérange proprement ici. Et nous sommes bien embêtés par la coupure. Les habitants de Domezekame ne sont pas épargnés par cette situation. À Domezekame, auparavant, c'était le village à Djabo, qui était un seul village. Maintenant, c'est divisé en deux villages qui fait à Djabo 1 et Domezekame. Et c'est le même transformateur qui alimente à Djabo jusqu'à Domezekame et jusqu'à chez le pasteur César. Ce qui fait que moi, par exemple, je vais prendre moi mon cas, chez moi à la maison. Depuis 2016 que je suis un abonné à la SBDE, je n'ai pas du tout le courant. C'est seulement les dimanches et c'est de 7h à 19h que j'ai le courant. Nous ne savons pas ce qui se passe, si c'est notre transformateur ou bien quoi. Vraiment, seule la SBDE pourra nous indiquer et nous pourra nous dire ce qui se passe réellement. Si nous-mêmes, nous ne le savons pas. Les citoyens et habitants de ces villages lancent ici un appel aux autorités à divers niveaux. Bétagbo, c'est à peine 20 ou bien 30 km de Cotonou. Nous sommes déjà à Cotonou. Que les autorités à divers niveaux puissent venir nous aider à finir avec une situation qui ne nous honore pas ici à Calavi, à Bétagbo et dans le village de Domaine, c'est quand même. Il y a beaucoup de plaintes qui ont été posées à la SBDE. Ils savent ce que nous vivons. Chaque fin du mois, nous payons des entretiens pour nos compteurs, mais nous ne trouvons pas gain de cause. Donc nous leur demandons de venir à notre secours. Parce que sans l'électricité, beaucoup de choses peuvent se passer et nous ne pouvons pas. Nos villages, les deux villages resteront dans l'obscurité, ce qui n'est pas du tout bien. Nous allons juste demander aux autorités et d'essayer, puisque je sais qu'ils écoutent bien, ils sont à l'écoute, mais d'essayer encore d'écouter avec un cœur attentif. Donc de prêter attention aux populations qui sont à Bétango, de nous prêter attention et d'essayer de nous régler ce problème auquel nous sommes confrontés. Espérons que cette situation de chute de tension dans la commune d'Abomey-Calavi trouve un dénouement rapide pour le bonheur des populations. Dès ce soir, à minuit, 16 départements de la France se reconfinent pour endiguer la troisième vague de l'épidémie de la COVID-19. L'annonce a été faite ce jeudi par le Premier ministre. Ce nouveau confinement sera différent de ceux du printemps et de l'automne 2020. Le Premier ministre a également décidé de repousser le couvre-feu à 19h en métropole dès demain pour tenir compte du passage à l'heure d'été. Suivez le reportage. Cette énième conférence de presse sanitaire était particulièrement attendue. Et l'effort demandé aux habitants de 16 départements de l'Hexagone est une nouvelle fois conséquent. Un confinement d'au moins 4 semaines a été annoncé par le Premier ministre Jean Castex. Il s'agit des 8 départements d'Île-de-France, les 5 départements des Hauts-de-France, et puis les Alpes-Maritimes, la Seine-Maritime et l'Eure. Dans ces 16 départements, de nouvelles mesures de freinage massives de l'épidémie interviendront à compter de ce vendredi soir minuit et pour 4 semaines. Seuls les commerces qui vendent des biens dits de première nécessité resteront ouverts. Objectif, réduire davantage les contacts dans les lieux clos, a poursuivi le chef du gouvernement. Cette notion de bien de première nécessité sera étendue aux livres et à la musique, ce qui permettra aux libraires et aux disquaires de rester ouverts. Par souci d'équité, les restrictions de vente s'appliqueront aux mêmes produits, qu'ils soient vendus dans un rayon de grande surface, un commerce spécialisé ou un petit commerce de centre-ville. Dans le détail, c'est un confinement aux conditions multiples qui est décrété. Écoles et collèges restent ouverts, les lycées poursuivent avec un rythme en demi-jauge. Quant aux universités, elles continueront d'accueillir partiellement les étudiants. Les déplacements entre régions seront à nouveau interdits, tandis que le couvre-feu, lui, sera décalé à 19h à partir de ce samedi. L'exécutif, qui demande par ailleurs aux entreprises d'appliquer le télétravail au moins 4 jours par semaine. Outre ces mesures de confinement, la France compte plus que jamais sur sa stratégie vaccinale pour enrayer cette spirale négative. Et dans ce cadre, les injections du controversé vaccin d'AstraZeneca reprennent dès ce vendredi dans le pays, à commencer par Jean Castex lui-même. La Chine est dans le viseur des États-Unis à l'occasion d'un sommet en Alaska, le premier depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. Les chefs de la diplomatie américaine et chinoise ont vivement critiqué leurs politiques respectives. Washington accuse Pékin de menacer la stabilité mondiale. Atterrissage en Alaska,
Anthony Blinken se prépare à un premier face-à-face avec son homologue chinois Wang Yi dans un climat de guerre froide. Le chef de la diplomatie américaine entend bien ouvrir des dossiers brûlants pendant ces deux jours de pourparlers. Nous allons discuter de nos profondes inquiétudes au sujet des actes de la Chine, s'agissant du Xinjiang, de Hong Kong, de Taïwan, des cyberattaques contre les États-Unis et de la coercition économique contre nos alliés. Chacun de ces actes menace un ordre fondé sur des règles qui garantissent la stabilité mondiale. C'est pourquoi il ne s'agit pas seulement de questions intérieures. Et nous ressentons l'obligation d'en parler ici, aujourd'hui. Blinken ne prend pas de gants. La Chine, elle, temporise. À notre niveau, je pense qu'il est vital que nous fassions tout ce que nous pouvons pour suivre et mettre en œuvre pleinement et fidèlement les accords conclus entre nos deux présidents et ramener les relations sino-américaines sur la voie d'une croissance saine et régulière. Une passe d'armes en terrain miné, Anthony Blinken vient de rentrer d'une tournée au Japon et en Corée du Sud, dont l'objectif était de consolider les alliances américaines dans la région. Et à la veille de cette réunion à Anchorage, Washington a annoncé des sanctions contre une vingtaine de responsables chinois liés à la reprise en main de Hong Kong par Pékin. Pas une façon d'accueillir ses invités, selon Wang Yi. Les discussions doivent se poursuivre ce vendredi en Alaska, où les deux puissances risquent de continuer à s'écharper. Au Liban, au lendemain du jout verbal avec le président, le premier ministre désigné a dit espérer la formation rapide d'un gouvernement. Mercredi, Michel Aoun a posé un ultimatum à Assad Hariri de former un cabinet et de céder sa place. Les deux dirigeants doivent se rencontrer lundi prochain. Suivez. Après s'être mutuellement accusés d'être responsables du blocage dans le pays, Michel Aoun et Saad Hariri se sont finalement rencontrés ce jeudi. Le premier ministre désigné a ensuite pris la parole. Saad Hariri a assuré qu'il souhaite la formation rapide d'un gouvernement pour redonner confiance à la population. L'objectif principal de ce gouvernement, qui doit être formé le plus vite possible, est de donner l'espoir aux gens et d'arrêter l'effondrement de la livre libanaise. Saad Hariri a rappelé qu'il penchait pour un gouvernement de technocrates comprenant 18 ministres. Hassan Nasrallah, à la tête du Hezbollah, s'est lui aussi exprimé. Le chef du mouvement chiite a dit espérer la formation d'un gouvernement formé de technocrates, mais aussi de politiciens. Nous n'avons aucun problème quant à la formation d'un gouvernement de technocrates. Nous ne faisons pas machine arrière par rapport à un point sur lequel nous sommes engagés, mais ce gouvernement ne durera pas. Il sera incapable de sauver le pays et il ne prendra pas les grandes décisions audacieuses et courageuses dont le pays a besoin. Un gouvernement également appelé de ses voeux par la France. Dans l'attente de la mise en place de réformes pour sortir de la crise, Emmanuel Macron a estimé qu'un changement d'approche était nécessaire dans le pays. Le temps des responsabilités, en tout cas du test de responsabilité, s'achève et qu'il nous faudra dans les prochaines semaines, de manière très claire, sans doute changer l'approche, les méthodes, car nous ne pouvons laisser depuis août dernier le peuple libanais dans la situation où il est. L'impasse politique s'ajoute à un contexte de grave crise économique. Les Libanais font face à une explosion du chômage. D'après l'ONU, plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Les tensions se sont exacerbées depuis les explosions dans le port de Beyrouth en août dernier. Elles ont entraîné la destruction de plusieurs quartiers de la capitale. Madame, messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes et bon week-end à toutes et à tous.